Salut tout le monde, c'est Gamasama, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Z Dokkan Battle sur la version japonaise pour une vidéo test d'un nouveau perso qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà, mais j'avais pas fait de test sur ma chaîne. En tout cas, je vais le faire maintenant et voilà. Bon, je pars avec une team 100% J pour le tester, mais voilà. On va tester le Tenshihan Chaozu quasiment LR. J'ai un doublon dans l'arbre, je l'ai fait monter. Je n'avais pas pu le faire monter avant et récemment j'ai réussi à y donner le doublon, l'SP10. On va aller voir un peu ses capacités. On part sur un événement fastoche pour voir combien il peut mettre de dégâts sur un perso comme lui. On part sur le Vegeta SJ3 puissance. Puis qu'on tape sur le bon type, ça devrait être plutôt pas mal. Après, il faut vraiment pas essayer de le tuer rapidement. Comme ça, on pourra tester le puissance. Alors, tester le Chaozu Tenshihan qui est quasiment LR. Il manque 30 médailles, je crois, pour le faire passer en LR. Malheureusement, je n'ai pas encore. J'espère qu'il y aura un Tenkeshi qui va arriver bientôt sur la version japonaise pour pouvoir le finir. Alors, on va essayer de tout faire pour pas partir en speed, mais à mon avis, ça va être tellement facile qu'on va le péter. J'aurais dû peut-être partir sur Jubai, qui sait. C'est mort, on part en SP quand même, on va le fumer. Hein. Puis CSV au prochain tour. Vegeto Blue, il va. Non, pas Vegeto Blue. Vegeta SJ4, il va le one shot. Hein. S'il part en SP. Hein. Bah alors, on est contre le puissance, je suis même pas sûr qu'on puisse l'affronter. Il va nous tuer avant. Oh là là. Ça. C'est part en spé, hein. Comment tu veux j'ai. Je peux rien, il part en spé comme ça. Ça c'est chiant. Putain, on va le one shot. C'est mort. On va essayer de le retenter. J'espère qu'on aura plus de chance. Là putain, on a eu une bonne chance du tout. Dernière rotation pour le tester. Non, avec SV, franchement, si t'as pas fort, j'ai essayé que SV fasse le moins de dégâts possible. À ma vie, ça suffit. Ah, il va le tuer quand même. Voilà, malheureusement il l'a tué. On n'a pas pu le tester. Alors, on va essayer un autre événement pour pouvoir tester la puissance. La puissance de mon petit Tenshihan Chaozu. Quasiment LR. Sur un autre événement qui peut être pas très compliqué, mais pour qu'on puisse le tester, parce que là c'était pas très bien intéressant. Alors, soit on le refait, soit je tente un autre événement qui est pas très compliqué pour pouvoir tester un peu sa puissance. On a quoi comme événement? On a celle puissance, pas événement très compliqué. Je pense qu'on peut retenter notre chance sur Vegeta. On va aller, vas-y, on retente notre chance. Ça passe bien. Si on pouvait tomber sur un Chaozu Tenshihan en même temps. On a quoi comme perso intéressant? On a des Vegeta et CJ4, on va partir avec un Vegeta. Allez, vas-y. Vas-y, on prend un Vegeta et CJ4. J'espère que cette fois on aura une meilleure rotation. Pour voir le. Logiquement, tout va bien, on pourrait taper, c'est le puissance. Ça, j'aime bien. Hop, on prend un peu de ki. Malheureusement, c'est pas pour le Chaozu Tenshihan non plus. Voilà, pas de chance, hein.
On récupère ça. Ouais, du ki. Ça, c'est bien. Alors, on l'affronte. Malheureusement, j'ai pas sorti de vidéo avant un petit bout de temps la semaine. J'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sort samedi. Et je ferai un live en même temps samedi. Et, il sera fait avant. Non, après ce live. La vidéo sortira après le live. Ouais, parce que j'arrive plus. Je sais plus comment je parlais là. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de revenir plus actif. Mais ça prendra un petit peu de temps. Alors là, on devrait le finir. Attention, voilà. On passe à la phase numéro dernière. Et j'espère qu'on va pouvoir montrer sa puissance. On va aller voir qu'il est quand même intéressant. Avec un doublon. Si j'arrive à le faire partir en spé. Il part en spé, yes. J'ai réussi à trouver le moyen. Ça fait extrêmement plaisir. Et Juba, il part en spé aussi. Normalement, on devrait le finir. SV qui va pas faire beaucoup de dégâts. Mais bon, c'est pas très grave. Alors voilà. Valeur d'attaque 300 000. S'il nous fait un petit critique, ça va être pas mal. Voilà, 500 000. Bon, il a pas fait de critique. Double attaque SP. La double attaque SP, 500 000 sans crit. Attention, le crit, 700, 722 000, c'est plutôt pas mal hein, pour un perso qui est SP10 et qu'un doublon qui est même pas en, on va dire vraiment pas en LR. Je pense que ça peut être très intéressant. Ce perso peut être plus intéressant que d'autres persos qu'on a déjà connus. Voilà, je voulais faire vite fait cette vidéo de test de ce perso. Tianxian Shaozu presque LR, on va dire, ça va s'appeler comme ça la vidéo, presque LR, parce que je ne l'ai pas en LR pour l'instant, mais ça devrait pas tarder, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai LR, je ferai une petite vidéo test du Shaozu et Tianxian LR, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. On sera pour une prochaine vidéo, la prochaine vidéo ce sera sur Tsubasa, parce que j'avais dit que j'en ferai une, mais je ne l'ai pas fait, mais cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo sur Tsubasa pour expliquer un peu tous les modes, parce que maintenant je connais un peu mieux comment tout ça, je m'occupe de ça de direct dans la prochaine vidéo, ce sera ça. Et du coup, voilà. Allez, bye, c'était Gamma.